la crépinade. Le diable, un jour, se trouvant des loisirs, dit « Je voudrais former à mon plaisir quelque animal dont l'âme et la figure fut à tel point au rebours de nature qu'en le voyant l'esprit le plus bouché, il reconnut mon portrait tout craché. » Il dit « Et prendre une argile en souffrait, des eaux du Styx impures et pénétrées, et l'on modèle un chef-d'œuvre naissant, pétrissant homme et riant pétrissant. D'abord il met sur une tête immonde certains poilereaux que l'on sent la ronde, se craint des giformes cuir bourgeonnés, un front d'airain, précasque de damné, et sourcils blancs cachent un œil sombre et louche, sous un nez large et tort, celle de bouche. Satan lui donne un œil sardonien, qui fait frémir les pauvres gens de bien, coup de travers, omoplate en arcade, un dos ceinturé propre à la bastonnade. Puis il lui souffle un esprit imposteur, traître et rampant, satirique et flatteur. Rien n'épargne. Il vous remplit la bête de fiel au cœur et de vent dans la tête. Quand tout fut fait, Satan considéra ce beau garçon, le baisa, l'admira, endoctrina, gouverna son noail. Puis Dieu touche. Il est temps qu'il rimaille. Aussitôt fait, l'animal rimailla, monta sa vielle et rappelait Pia. Il griffonna des ceintures magiques, des Adonis, des aïeux chimériques. Dans les cafés, il fit le bel esprit. Il nous chante Sodome et Jésus-Christ. Il fut sifflé, battu pour son mérite. Puis fut errant, puis se fit hypocrite. Et pour finir, à son père il alla. Qu'il y demeure. Alors je veux sur cela donner au diable un conseil salutaire. Monsieur Satan, lorsque vous voudrez faire quelques bons tours au chétif genre humain, prenez-vous-y par un autre chemin. Ce n'est le tout d'envoyer son semblable pour nous tenter. Crépin, votre féal, vous servant trop, vous a survi fort mal. Pour nous donner, rendez le vice aimable. »